Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dans quelques jours, nous allons vivre un grand événement Perche à Clermont-Ferrand avec le All-Star Perche. Et pour parler de cet événement majeur, j'ai deux invités exceptionnels. Jean-François, on va attaquer par le plus vieux. Jean-François Raffali, bonjour Jean-François. Fermez les yeux, écoutez si vous êtes un fan d'athlétisme. Salut Jean-François. Ah, le mot plus vieux, j'aime pas trop. Par contre, peut-être un peu plus expérimenté. On va dire ça ainsi. Non, ben, c'est une bonne occasion. Merci, mon président, Jérôme, de donner l'antenne à un sport qui est devenu véritablement un sport majeur, fournisseur officiel de médailles olympiques et aux championnats du monde, le saut à la perche, qui se conjugue au féminin depuis quelques années, depuis les Jeux Olympiques de 2000 à Sydney. Et c'est vrai qu'on a toujours autant de passion à montrer ce sport, qui est un sport, un produit d'appel, on va dire. Vous savez que l'athlétisme est multiple. Ça va de la course, du demi-fond, de l'ultra-trail, jusqu'au solide lanceur de poids ou de marteau. Eh bien, à travers le prisme du saut à la perche, je pense que les athlètes, en ce moment, un petit peu en manque de compétition, en manque de spectacle, ben, vont s'y connaître, et en particulier dans ce All-Star Perche présenté par Renaud Lavilloni himself à Clermont-Ferrand, présenté depuis 6 ans maintenant. Eh bien, c'est ce week-end et ce sera la clôture des épreuves nationales, malheureusement à huis clos. Bon, on a planté le décor. On ne veut pas faire plus de 5 minutes. J'ai l'impression qu'on va faire une demi-heure, bien évidemment, parce qu'on n'a pas encore présenté FX, là. Hein. Tu as vu, là, il est arrivé à pratiquement faire 2 minutes d'affilée. Ouais. Et notre deuxième invité... Toutes les infos en 10 minutes. Hein. C'est ça, il a tout donné, il a tout condensé. FX de Châteaufort, si vous êtes un fan d'athlétisme, si vous êtes un fan, alors c'est vrai qu'on revient toujours sur ta carrière à RMC, mais c'est vrai que quand on a vécu des très, très, très grands moments avec toi, avec ta voix... voilà, donc FX, merci d'être présent également pour nous parler du All-Star Perche à Clermont-Ferrand. Salut Jérôme, salut Jeff. Oui, c'est un grand plaisir parce que effectivement, ce All-Star Perche, comme l'a dit Raph, c'est un moment, c'est devenu un rendez-vous incontournable. Hein. Et d'ailleurs, très rapidement, hein, dès la première édition, hein, moi je m'en souviens, je l'avais co-animé, j'avais eu le plaisir de co-animer la première édition. C'est un moment incontournable. Il y a tous les meilleurs perchistes du moment, à chaque fois, tous les ans, réunis par Renaud, qui fait un travail exceptionnel avec toute son équipe autour de lui. Et surtout, ce rendez-vous est toujours calé à la fin du mois de février, à peu près, juste avant le grand championnat en salle qui suit du monde ou d'Europe. Et ça sera une nouvelle fois le cas cette année, puisque le championnat d'Europe en salle de taureau aura lieu juste le week-end après le All-Star Perche. Donc, c'est vraiment la répétition général pour les perchistes, les meilleurs perchistes du monde avant le grand championnat qui clôture la saison hivernale. Jean-François, avant de parler actualité, hein, puisque cet événement a lieu ce week-end, samedi, et non pas vendredi, samedi, on va y revenir dans quelques instants. On a vécu des moments incroyables dans l'histoire du All-Star Perche, notamment il y a 3 ou 4 ans où on est arrivé en fin de concours avec des athlètes qui étaient à des hauteurs incroyables. C'était, j'allais dire, à un niveau qui était même au-dessus d'un tournoi olympique. Je crois que c'était en 2017 ou 2016, Jean-François. Alors de tête, j'ai plus la date exacte, mais c'est là où on avait découvert Duplantis. Hein, c'était à ce moment-là incroyable. C'est là où on avait vu ce gamin se mêler de haute lutte à plus de 5,84, où il y avait encore 6 concurrents qualifiés, autant dire qu'il n'y avait même pas encore le podium qui était dessiné. Alors qu'en général, à ces altitudes-là, dans un grand championnat, effectivement, on a le podium. Ça se joue encore un petit peu plus haut, mais là, il y en avait encore 6. C'était un moment extraordinaire, un moment magique qui ne peut, je pense, être engendré que par des bons organisateurs, mais qui, cerise sur le gâteau, est organisé par quelqu'un qui est encore actif dans le monde du saut à la perche, qui détenait il y a encore quelques mois de cela le record du monde avec 6,16 m, Renaud Lavilloni. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui cumule la casquette d'organisateur, mais également de favori dans la compétition, amène un piment absolument incroyable. Et cette famille très agréable, qui ressemble étrangement à celle du rugby, puisque je crois qu'on peut revendiquer aussi notre appartenance au rugby, ce sont des amis qui se mettent des cartouches pas possibles pendant le match et qui tombent dans les bras à la fin du match. Et ben c'est exactement ça dans le monde du saut à la perche. Et c'est vrai que de voir ces champions à près de 6 mètres et d'être pratiquement 6 à attaquer 6 mètres, c'est une chose qui n'a jamais été égalée pour l'instant.
Et Fix, toi, tu seras du côté de Paris pour commenter cet événement pour l'équipe. Comment tu l'as préparé? Tu l'as préparé avec Jeff, puisque lui, il sera, j'allais dire, sur le terrain, il sera dans la salle. Vous coordonnez pour avoir les infos? Alors moi, en fait, j'utilise plusieurs canaux pour préparer ce All-Star Perche pour l'antenne de la chaîne L'Équipe. Déjà, je me rapproche de ma rédaction en chef, hein, à la chaîne L'Équipe, qui centralise pas mal d'infos, forcément, parce qu'il y a certaines règles à respecter. Nous, on sera dans les conditions du direct, mais avec le live, avec les images à bien sûr commenter comme il se doit. Et je me rapproche également de l'organisation. Et là, par exemple, mon contact privilégié là-bas, ben, c'est Julien Galland, hein, qui est donc l'une des personnes bien autour de Renaud Lavillenie depuis maintenant de nombreuses années. Et ben, pas plus tard que tout à l'heure, je dois refaire un point avec Julien pour savoir qui viendra, qui viendra pas, quelles seront les pistes qui seront finalement présentes ou pas, pour que je puisse préparer, moi, donc mes petites fiches, hein, comme on dit, hein, parce que même s'il y a l'expérience depuis des années, comme tu le disais, 17 ans d'RMC et toute la suite qui a commencé pour moi une nouvelle aventure depuis 2 ans, je prépare quand même consciencieusement et je remets à jour mes fiches. Donc voilà, je fais mon petit point avec Julien, savoir qui vient pas. Comme ça, je peux commencer à préparer sereinement en amont donc sur le Star Perch, sachant que bon, ben voilà, il me reste encore quelques jours pour peaufiner tout ça. Donc, voilà un petit peu comment ça se préfigure. Et puis je serai très très bien entouré, hein, parce qu'on aura un très très gros dispositif sur la chaîne L'Équipe pour ce sur le Star Perch. J'aurai 2 consultants de luxe à mes côtés. J'aurai Vanessa Boslak et Jean Galfion. Donc ce n'est pas rien pour commenter sur le Star Perch. On aura également un homme de terrain pour faire les interviews. On aura également l'autre spécialiste attelé du journal L'Équipe, reporter à L'Équipe Pingue notamment, qui suit Renault et tous les autres perchistes depuis de longues, longues années, Nicolas Herbelot, qui sera sur place, qui nous donnera également son ressenti, lui, en bord de piste dans la salle. Donc tout ça pour faire une belle, belle antenne autour de Messaoud Ben Tarki. Bref, ça va être un grand, grand moment de sport sur la chaîne L'Équipe samedi en fin d'après-midi. Jeff, on plante un petit peu le décor sur l'actualité de cette compétition. Déjà, j'ai annoncé, c'était sur 2 jours, ça va être plus sur une seule journée. Tout cela à cause du Covid. En particulier, je voudrais rajouter une petite chose par rapport à la coordination dont parlait Fix. Au-delà de notre amitié, c'est vrai que cette année, plus que jamais, nous sommes en coordination. Pourquoi? Parce que mon rôle, par exemple, de speaker de terrain est double. Il est bien sûr d'exciter, de mettre au plus haut niveau les athlètes avec un support musical. C'est le concept Perche Elite Tour qui est né dans mon petit village. Et ça permet aux athlètes d'avoir l'impression d'être comme d'habitude. Sauf que on n'est pas comme d'habitude, il n'y a pas le public. Et donc toute l'animation de terrain doit être absolument au service des spectateurs. Et les spectateurs sont des téléspectateurs. Donc on est complètement au service depuis le début du circuit Perche Elite Tour, parce que le All-Star Perche, c'est également l'aboutissement du circuit Perche Elite Tour, le circuit dont j'ai la responsabilité avec la Fédération Française d'Athlétisme. Eh bien, toutes nos étapes, on les a bien coordonnées avec les réals, avec les assistants réals, les réalisateurs, les assistants de réalisation, pour que le produit, j'ai pas peur d'employer ce mot-là, qui est sur le terrain, soit absolument au service des uniques spectateurs, donc les téléspectateurs. Donc on est obligé, c'est une évidence, de travailler en parfaite coordination. Et le rendu est top, hein, parce que franchement, moi, pour avoir suivi via Facebook ou les applications, notamment le rendez-vous à Tourcoing, j'ai assisté également à Rouen, à la Kind Arena, c'était retransmis sur Eurosport, donc le meeting de Rouen. Et franchement, voilà, il n'y a pas le public, mais avec le show, comme le dit Raph, on a l'impression, enfin voilà, c'est de la folie, on en prend plein les yeux, plein les oreilles, c'est fantastique, quoi. C'est ce que nous disent les athlètes. Pendant le saut, on a vraiment l'impression d'être dans des conditions habituelles de ce show au concept unique au monde, qui a été repris un petit peu, mais qui est quand même unique au monde, c'est-à-dire de faire sauter des athlètes sur leur musique dédiée, musique qui est le lien entre les spectateurs, qui donne le rythme. On n'a pas besoin de chauffeur de salle, hein, avec une musique qui en général est souvent tonitruante, hein. C'est pas une petite musique de nuit. Donc, c'est vrai que les athlètes nous disent, on a l'impression de faire comme d'habitude, sauf
que à partir du moment où les épaules tombent dans la mousse dans le sautoir, c'est terminé. L'ambiance est très platonique, et c'est là où on a besoin du relais de la télévision. Et c'est un peu aussi notre rôle de speaker, maître de cérémonie, hein, pour les sportifs. On le voit dans les sports collectifs, on a eu au moment du huis clos la demande du côté sportif pour avoir une composition des joueurs, pour avoir les buts, pour avoir des points, comme si qu'il y avait du public, ça leur fait du bien et ils ont l'impression de ne pas être en salle d'entraînement. Hein. C'est très très important pour eux. Et puis l'expression en sport collectif qui dit « jouer à la maison », alors c'est vrai qu'il faut modestie garder, mais je pense que les joueurs, hein, parce qu'on parle de joueurs en termes de sport collectif, qui entendent la voix d'un speaker qui énonce les noms de la composition d'équipe, qui dans sa manière de présenter, de manière objective, entre guillemets, les deux équipes fera un petit peu plus, fera un peu plus pour son équipe, eh bien rassure aussi nos joueurs. On n'a jamais vu autant de matchs gagnés à l'extérieur, ça veut dire que la notion de match à la maison ne vaut plus. Alors si, avec nos animateurs, on peut se rappeler qu'on est chez nous, hein, on le scande souvent, ça. Ici c'est... Ici, c'est Nevers. Ou Nevers, par exemple. Hein. C'est une notion qui a échappé un petit peu et pourtant fait partie de l'ADN des sports collectifs. Le speaker peut-être être un morceau de palliatif, hein. Il faut modestie garder par rapport à cette idée qu'on joue sur terrain neutre. Bon, avant de se quitter, j'aimerais que tu nous donnes le programme, Jeff, de ce qui va se passer, les horaires, voilà, qu'on puisse un peu terminer. Alors, le programme, avec toutes ces idées en tête. Nous qui sommes en proie à la convivialité, ben, malheureusement, une fois de plus, pas de public, pas de buvette. Si on peut y consommer autre chose que de l'alcool dans les buvettes. Vous allez pouvoir manger ? Est-ce que vous allez pouvoir manger pendant 2 jours ? C'est compliqué. J'ai peur que... Bon, on va faire régime alors. Alors, plus sérieusement, attention, on ne se retrouve pas pour la première place des Buges. On se retrouve d'ailleurs sur une autre commune, hein, puisque c'est Aubière, au Stadium Jean Pelez, cette grande salle d'athlétisme, avec deux séries de deux concours uniquement. Samedi, avec le concours, la finale, les finales hommes-femmes du Perche Elite Tour. Il y aura à peu près 16 femmes, c'est un gros concours, qui vont en débattre, en découdre dans le cadre de cette finale. Chez les garçons, ils seront à peu près 14, où on va y retrouver les jeunes espoirs français. Ce sont un peu les Rachel du saut à la perche. Et puis, on va remettre la salle en place avec un décor inédit, parce que cette grande salle va être transformée en véritable, je me retourne vers FX, va être transformé en véritable studio. Alors, justement, Renaud a pris soin avec Romain, avec Julien, de créer un décor beaucoup plus cosy, de sautoirs proches des spectateurs, donc du moins de la tribune où seront les managers, les entraîneurs, pour avoir une ambiance avec les partenaires très très chaude, très cosy, pour avoir cette proximité. 17h. Alors là, eh bien, on aura les meilleurs au monde, sauf un chez les messieurs. Et je tiens à vous dire pourquoi. Sam Kendricks, le champion du monde en titre, l'Américain, ne sera pas là, parce qu'en ce moment, il n'est pas très très bien. Et écoutez bien ce qu'il a dit. Je ne viendrai pas à Clermont parce que je ne suis pas en forme. Je ne veux pas me blesser. Et surtout, aller au All-Star Perche, ça se mérite. C'est du très haut niveau. Si on n'est pas très haut niveau, on n'y va pas. Ça, c'est du Sam Kendricks signé dans le texte et qui prouve aussi la teneur de la compétition. Alors, on aura bien sûr Chris Nielsen, le fameux Américain là, qui n'arrête pas de gagner, qui vient nous embêter en France, hein, puisqu'il gagne les meetings en France, en particulier à Liévin. Il y aura la surprise du week-end dernier, Valentin Lavilloni, qui a remporté son premier titre de senior élite au nez à la barbe de son frère un peu fatigué. On parle de son frère, l'organisateur. On espère qu'il aura recouvré quelques forces, puisque Renaud Lavilloni, le deuxième meilleur performeur de tous les temps, sera présent. Et puis, je parlais de cette émergence des jeunes. Eh bien, un jeune, Ethan Cormon, qui vient de réaliser près de 580, et qui est encore espoir, moins de 23 ans. Alors attention, Renaud a donné la chance à ce gamin, on va dire ça comme ça, et il sera parmi les meilleurs. Et puis il y en a un, je vous ai compris, hein, je le garde pour la bonne bouche, un certain Armand Duplantis, l'américano-suédois. Hein, il a choisi la nationalité suédoise. Ça nous embête, nous les Européens, parce qu'il vient quand même nous prendre à chaque fois pratiquement la médaille d'or. Hein. C'est réglé, ça. Ouais, et ouais.
Il a été sevré de compétition. Les premières compétitions l'ont frustré. Il n'y a rien de tel que d'avoir un perchiste en forme et frustré pour venir disputer un All-Star Perche. Son record, point de suspension, mais il peut se faire qu'on mette une barre à 6-19 pour essayer de la franchir samedi en fin de soirée au Stadium Jean Podest. Puis chez les dames. Donc c'est juste avant que tu passes aux dames, Raph, c'est une bonne nouvelle parce qu'on avait une petite incertitude sur Mondo Duplantis. Hein. On avait encore une incertitude jusqu'à. Pardon. On avait encore une incertitude jusqu'à hier soir, et ouais. Il semblerait que vers les 22h30, hein, je vous parle sous couvert de Renault, vers les 22h30 hier soir, il est dit oui. Alors. Il est évident qu'avec les autorisations et avec les moments qu'il faut observer en septaine, parfois même maintenant en dizaine ou en quatorzaine, je ne sais plus, il y aura des incertitudes jusqu'au bout. Mais pour l'heure, les cinq noms que je viens vous donner seront bien présents au Stadium Jean Pelès. Et puis chez les dames, il y aura deux Françaises. Et là, une fois de plus, on va faire un petit clin d'œil à Philippe Dancos, qui entraîne les Ethan Cormon, la Villeneuve. Puis il entraîne une jeune fille qui s'appelle Élise Gialourakis. Ça, c'est pour la prononciation, hein. Gialourakis, puisqu'elle est d'origine grecque. Eh bien, cette jeune fille vient de pulvériser son record avec 4.41 au championnat de France. Et elle vient de remporter le titre à Miramas il y a de cela 48 heures. Eh bien, cette jeune, c'est une gamine aussi, hein, sera accompagnée de Margot Chevrier. 50 elle, pour aller essayer de bousculer les fameuses Irina Zouk, la Bélarusse, une jeune fille qui a déjà sauté 4,72, Alicia Newman, la Canadienne, 4,82, et puis Holly Bradshaw, anciennement Holly Blisdell, elle s'appelait Holly Blisdell lorsqu'elle était entraînée par un certain Julien Raffali, maintenant elle est mariée avec un coureur de 800 mètres, Holly Bradshaw, qui détient une des meilleures performances mondiales de l'année et qui a un record à 4,87 m. Donc autant dire, là, chez les femmes, on est quasiment au top, même si on sait que Sandy Morris, celle qui avait gagné l'an passé, ne sera pas présente, l'américaine. Bon, merci Super beaucoup. Plateau. Merci Super beaucoup, plateau. Jeff. Et pour terminer, FX, le programme, on prend l'antenne à quelle heure, ceux et celles qui veulent se régaler avec la télévision? Alors, sur la chaîne d'équipe, ça sera à partir de 19h, alors que Raph ne s'inquiète pas, en fait, pour des raisons d'antenne qui sont de au-delà de la... Enfin voilà, c'est comme ça, c'est institué comme ça. On va donc retransmettre donc le All-Star Perche dans son intégralité, vous ne manquerez rien, vous les spectateurs qui regarderez ce All-Star Perche sur la chaîne d'équipe, mais avec un léger délai, voilà, un léger délai d'une demi-heure par rapport à la réalité. Voilà, c'est pour qu'on puisse tout vous montrer et que ça rentre dans la grille de programme de la chaîne d'équipe. Voilà. C'est le petit décalage qu'il y a entre le reste de la France et l'Auvergne. Et l'Auvergne. Voilà, et l'Auvergne. Bon, merci. À partir de 19h. Bon, merci beaucoup, messieurs. On va se retrouver la semaine prochaine. On va faire un petit focus, un point sur, puisque vous êtes des grands spécialistes de l'athlétisme, on parle beaucoup des reprises de sport dans les sports collectifs, mais j'avais envie d'évoquer avec vous la semaine prochaine la reprise en athlétisme avec la crise sanitaire, ce qui s'est passé pendant toute cette période, et est-ce qu'on va voir le bout du tunnel dans les compétitions professionnelles et également côté amateur. Mais ça sera la semaine prochaine, on se retrouvera. Encore un grand merci. Si bien vous êtes des fans d'athlétisme et de perche, bien vous allez pouvoir vous connecter sur le site internet du All-Star Perche ou bien évidemment écouter les commentaires de FX du côté de la chaîne L'Équipe. Merci messieurs, à la semaine prochaine. Merci à toi Jérôme. Merci Jérôme.